Hi guys! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bref, ça va être une vidéo un peu... Parce qu'il y a deux personnes ici qui ne se parlent pas. On se parle. Ah c'est bon, vous reparlez? Non, là on se parle. Non, là on se parle parce que c'est intéressant. Sinon on se parle pas. Bref, ça fait genre 4-5 jours qu'elle se parle pas. Elle voulait pas venir faire cette vidéo. Du coup, j'aurais dit soit vous venez, soit... Vous êtes mortes en fait, vous êtes mortes dans le game. Je les ai bien menacées dans le groupe qu'on a sur iMessage et après elles sont venues. Vous êtes venues en même temps, vous êtes venues chacune de votre côté. Ouais, en Uber. Elle m'a demandé, j'allais faire quoi. Elle m'a demandé, j'allais faire quoi quand même quand je suis sortie. Pour que ça t'intéresse. Tu vas faire quoi? Tu m'as dit, Aurélien, tu vas. Oui, tu t'es seulement dit ça parce que je voulais pas venir ici pour me retrouver tout de suite. Bon. Bref, guys, écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit swap de Noël. Donc, ce sera une vidéo remplie d'amour, remplie de bienveillance et de cadeaux, bien sûr. On a décidé de se faire deux cadeaux chacune. Donc, un cadeau qui est sentimental et un cadeau. Sentimental, ça peut être n'importe quoi, on est d'accord? Oui, ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai galéré, hein. Franchement. Non, moi, pour le truc, moi, il est nul, mais c'est sentimental, c'est vrai. Pour moi, il est pas nul, moi, il est très sentimental et je pense, Nina, ça va, genre, tu vas être émue. Moi, je pense que les cadeaux que je vais offrir à Ouria, elle va vraiment bien kiffer, je pense. Ah ouais. Mais ça aussi, mais ça surtout celui sentimental. Donc on va commencer par les cadeaux en mode sentimental. Donc c'est parti. Vas-y. Qui veut commencer? Moi je dis. Non, moi je commence. Les miens ils prennent grave du temps. Je ah ouais. Vas-y, bah Ouria commence les cadeaux sentimentaux. Non, ils prennent pas du temps en vrai. Je commence parce que en fait, je vous explique l'histoire. Je suis allée acheter et tout et je savais pas quoi prendre. Je voulais leur prendre une coque chacune et écrire un petit mot derrière. Je vois quoi? Je suis partie avec. Maman, on va la voir. Regarde, je vais et tout, je vois le prix. 150€ la coque, mais c'est du foutage de gueule. Bref. Non, fallait la faire sur Amazon à 30€. J'ai fait un truc très sentimental. J'ai fait un truc de moi-même. J'ai même cousu le sien. Quoi? Elle a cousu. Allez, vas-y. On va les cadeaux là. Les cadeaux. Vous êtes gênantes. Mais c'est de mes cadeaux. Pourquoi je n'avais pas donné celle-là? Mais c'est toi qui as cousu ça. J'ai cousu, mais ça. Bah regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Et toi aussi, c'est pareil. Oh non, c'est trop mignon. Les gars, il y a un N. Oh non, oui, c'est trop mignon. Oh non, c'est trop chaud. Attends, attends, il y a plusieurs mots. Il y en a 5. Regardez, je vais pleurer, c'est trop chaud. T'as des photos de nous? Non, commence pas. Il y a plusieurs mots. Alors, première petite lettre. Apprends à ne pas faire confiance à n'importe qui. Ça, c'est vrai. Ah, c'est des conseils, genre, vas-y, à moi. Ta générosité est admirable. Love. Oh, c'est trop chaud. Je suis trop sensible, regardez, j'ai des larmes aux yeux. Moi aussi, j'ai des larmes. Oh non, c'est trop mignon, je suis choquée. Bon, là, c'est trop sentimental là. Grave. Ensuite, t'es belle. Oh non, c'est trop chou, Ali. T'es trop chou. Tu as un grand cœur. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, c'est trop mignon. Mais c'est pas arrêté, c'est que j'ai dans la. Oh my god. Débouchoir, s'il vous plaît. Les gars, je suis trop sensible, genre un petit d'affection. On se parle pas de bazar. Bah, il y a un truc. Là, tu pleures. Il y a un truc méchant, ouvre-le. Je pleure. Non, je vais pleurer. Bah, pleurer. Non, mais c'est parce que je suis sensible. En fait, quand une personne elle me montre qu'elle m'aime, bah, je suis sensible. Alors, arrête de mentir, résolution 2024. Voilà, merci, regarde. À moi, je te souhaite. Je te souhaite. Oh, c'est trop mignon. Je te souhaite le mariage avec numéro 4. Je me le souhaite aussi. Ah, j'ai voulu. Ensuite, pour finir, elle m'a dit on fait la paix, je t'aime. Oh, oh non, c'est bon, Maïssa, on se chacoche. Oh non, c'est trop mignon. C'est trop mignon, désolée, je pleure, je suis bouffonne, mais c'est la vie. Et moi, en dernier, tu es une personne inspirante. Oh, c'est chaud. Allez, câlin de groupe. Oh, c'est trop mignon. Grave, c'est moi, c'est moi. Bon, j'en ai dû chercher des bouchons. En fait, j'ai grave galéré pour le truc sentimental. Je me suis dit, ça, il y aura des larmes qui vont couler. Non, franchement, t'as dead, je suis trop chouette. En fait, ah ouais, c'est encore. Bah ouais, franchement, ouais. En fait, c'est une très bonne idée, c'est trop mignon. En fait, c'est encore plus touchant parce que ça vient de Julia. Parce que Julia, elle est vraiment, mais vraiment pas. Genre sentimentale, elle dit jamais ce qu'elle pense et tout. Et je vous si, jure. Si, quand même, j'ai changé. Ok, Julia, oui, mais genre, tu le montres pas vraiment de ouf. Ah, oh, c'est okay, trop mignon. Franchement, je crois que c'est le meilleur cadeau sentimental. Ouais, vraiment, franchement, c'est trop mignon. Oh non, il y avait un petit dernier, merci pour tout. Oh non, c'est trop chou, ma vie. Oh non, je vais pleurer. Voilà, je vais pleurer moi aussi. Ok, à moi. Les cadeaux sentimentaux. C'est parti. On va commencer par Julia. Julia, il faut sachez que Julia, c'est une grosse radine. Ok. De base. Mais wesh. Ouais. De base. Mais de base. Base. Ah, de base, merci. De base. Et en fait, pour qu'elle te prête quelque chose ou te donne quelque chose, c'est une dinguerie. Donc. Ah, je crois que je sais. Moi aussi, je crois savoir. Tu m'as racheté la casquette. Ah ouais. Depuis, et en fait, j'ai dit à Julia,
coup, sachez, j'ai dit à Holly, est-ce que ça te dérange pas de me prêter ta casquette? Je vais avec à New York. Elle m'a dit oui. Déjà, j'étais trop choquée. Ah, je savais, ouais. Donc, j'ai prise avec moi alors qu'elle partait en Algérie. Elle m'a dit, t'inquiète, prends-la, je vais en Algérie sans et tout. On me l'a volée dans ma chambre d'hôtel. Et en fait, je suis repartie pour l'Urassie, je voulais pas lui dire. Et elle n'existait plus, en fait, pour les femmes. Ouais, et en fait, je me baladais aux galeries il y a genre 3-4 jours. Et je l'ai vue, en fait, chez les hommes. Et je lui ai dit, mais wesh, elle existe chez les hommes et tout. Je dis, je veux la plus petite taille et tout, s'il vous plaît. Je la mets de ouf et tout. Voilà, bah, merci de m'avoir prêté ta casquette. Je suis désolée de l'avoir perdue. Et voilà, donc c'est sentimental parce qu'en vrai, elle me l'a prêté. Je te fais un carnet quand même. Attends, de loin. Voilà, merci. C'est quand même trop bien, ouais, de fou. En plus, j'en ai parlé ce matin. Ah, oui. J'ai dit, oh vas-y, j'ai pris ta masseur et tout. Elle a perdu tout. Elle a perdu, j'ai le sel. Ok, et là, on va passer au cadeau sentimental de Maïssa. Maïssa, je pense que tu vas trop kiffer sa mère. Je pensais que t'es dans. Bon, pas, je préfère me sacrifier à ta place. Vas-y, tu fais ça, tu mets comme ça ton doigt et tu te tires comme ça. Okay. C'est sentimental ça? Ouais. Oh, mais ça commence pas. Garde tes larmes de crocodile. Oh, j'aime trop, wesh! Ah, c'est trop chaud! Wesh, ouais, oh, wesh! Oh non, j'aime trop! Regardez! Ah, c'est trop cute! Oh. Non, mais attends, je t'ai dit. C'est One Piece! Je sais, attends, je t'ai dit. Regarde. Oh my god, regardez ma main! Wesh, on ressemble beaucoup. Wesh, c'est ma main, wesh, papa! Wesh, Yannick! Wesh, je suis choquée, toi, t'as ta caméra! Wesh, t'as trop d'aide! Oh my god! Regardez, j'ai pris quoi? Ah, y'en a deux! Non, un pour moi, je me suis dit, bon, moi aussi. C'est trop chou! Regardez! Oh, mais wesh, mais c'est trop beau! Trop bien! Mais je vous jure, la dernière fois, en fait, elle a fait un cadeau à un de ses potes. Après, j'ai dit, oh non, je veux trop un et tout. En fait, elle a trop kiffé la série One Piece, elle aime trop One Piece de base. J'aime trop! Oh my god! Et du coup, en fait, regarde, j'ai écrit aussi une famille. Mais oui, de fou, t'as grave d'aide! 3 milliards! Et ça ressemble grave à notre famille et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais offrir un truc One Piece à Maïssa. C'est trop stylé, t'as bien fait, Yannick! Papa, par contre, on dirait lui, hein. Ça me choque. Merci, ma vie, t'es trop chou. Bon, allez, à Maïssa. En fait, j'avais pas dit des trucs sentimentaux. Genre, lis la lettre. Attends, elle ou d'abord ou elle d'abord? Non, elle d'abord. Un truc qu'on n'aime pas partager, mais qu'on kiffe se partager en même temps. Je t'aime. Pas en ce moment. Ah, pas en ce moment. Moi aussi. David, tu penses c'est quoi? Un truc qu'on aime. Genre, en mode, on kiffe de fou, mais des fois, on n'aime pas partager. On est radine sur ça, genre. Des Cheetos. J'en ai pris un peu 5 pour moi. Là, on passe pour Noël. Tu dois deviner. Je suis le murmure de ton cœur imprimé sur une page. Qu'est-ce que je suis? Imprimé sur une page, le murmure de ton cœur. Genre, c'est un truc sentimental de fou, genre ça te touche. Une photo de nous quand on était petite? Je sais pas, ouf, regarde. Je suis le murmure de ton cœur imprimé sur une page. Je suis déçue, en fait. Je suis sûre, la devinette, c'est pas ça du tout. Ouais. Si, elle suit. Ah, c'est une lettre? Bah oui. Ah, c'est une lettre quand elle. Ah, mais oui, je suis le murmure. Bah oui. Imprimé sur une page, mais oui, c'est une lettre XOXO. En fait, j'écris les mêmes fautes, j'essaie de faire les mêmes fautes qu'avant et tout. Genre. Ah, tu l'as écrit, j'ai cru que c'était une lettre qui date. En fait, je vous explique Maïssa, ben, pour ceux qui ne savent pas. Maïssa, depuis que genre, je suis toute petite, depuis que genre j'ai 16 ans et du coup, elle, depuis qu'elle a genre 7-8 ans, elle m'écrit des lettres pendant genre au moins 2 ans. Tous les jours que Dieu a fait, elle m'écrivait une lettre, elle me la posait dans mon armoire. Donc tous les matins, quand je me levais, j'ouvrais mon armoire, il y avait une lettre. Et elle m'écrivait toujours la même chose, XOXO, Gossip Girl, Jelena. Et du coup, bah écoutez, on va lire cette lettre donc, qui date de 2014 ou 2013. Chère Nina, je voulais tout simplement te dire je t'aime. Merci d'être la meilleure sœur au monde. Merci de toujours vouloir faire les choses bien avec moi ou toute la famille. Tu es notre fierté et pour toute la famille aussi, malgré tes défauts, tu restes la meilleure sœur au monde. Non, j'ai pleuré. Oh, ça, je te jure, j'ai pleuré. Je savais qu'elle allait pleurer. Du coup, bah, je vais pleurer encore. Parce que les deux qui pleurent, moi, je fais quoi là? Je vous regarde, c'est quoi? Alors, j'ai pleuré. Vous m'expliquez. T'as pas de fière, toi. Attendez, une petite photo comme ça, je vais vous afficher le jour où vous allez vous embrouiller. Malgré tes défauts, tu restes la meilleure sœur au monde. Certes, on s'embrouille H24 pour de la merde, mais on finit par se reparler comme d'hab. Dans le livre de ma vie, tu es le chapitre le plus précieux. Oh non, trop bien. J'ai trop chou. Ça se voit, c'est moi qui a écrit ça. Non, regrette pas, non. J'ai juste mis phrase. Non, juste mis phrase chou. Après, j'ai trouvé ça. Un peu. Voilà, c'était sûr. Ta beauté, virgule. Arrêtez tout. Ta beauté intérieure. La gentillesse, ta force.
de toi, une sœur exceptionnelle. Bref, je t'aime XOXO, Gossip Girl for life. Hashtag XOXO, ta Maïssa qui t'aime, N plus M égale ALV ALM. Oh, trop chou. Ah bon, je vous jure, j'écrivais tout le temps comme ça. Genre tout le temps, je lui disais des trucs comme ça. Du ouais, mais vraiment, elle écrivait ça avec les mêmes hashtags, le même cœur et tout. C'est trop mignon. C'est trop chou. Merci, ma vie. Et dites-vous, elle a gardé toutes les lettres que je lui ai écrites. Ouais. Tout. Et un jour, je vais toutes vous les lire. Merci. Elle va encore pleurer. Ce sera une vidéo. Là, on va passer au vrai cadeau. Bon, je vais m'expliquer par rapport à mes cadeaux d'abord. Allez, elle a trop s'expliquer. Et nous explique pas. Donne-le. Parce que j'ai galéré jusqu'à 21h, je suis rentrée et j'ai trouvé. Et heureusement, j'ai trouvé. Bravo. Regardez seulement. Le budget là. Regardez le budget là. Bon, on commence par qui? Le moins lourd, hein, Maïssa. Ça, tu voulais. Je t'ai dit, ah, oh, c'est moi. Tu m'as eu. Il a fallu le trouver. Mais tu sais, ouais, j'en ai parlé quand? J'en ai parlé. Ah, tu m'en as parlé. J'en ai parlé quand? Oui, je suis choquée. Mais oh elle my god. Mais t'as trop d'aide, wesh. Oh mon gars, wesh. Oh my god, je suis choquée. C'est la cagoule Jacquemus. Oh, je suis choquée. Ouais, t'as dit. Elle m'en avait parlé il y a genre. J'en avais parlé il y a pas longtemps. Là, il y a genre 3-4 jours. Oh my god. Et je lui ai rien dit. Mais t'as trop. Mais tu savais. En fait, je pense que t'auras une réaction aussi. Mais ouais, c'était trop chaud. Parce que tu le voulais aussi, je crois. Ah ouais. En fait, tu voulais. Vas-y, prends. Ah ouais. T'as trop. J'étais choquée, Julia, par contre. Ouais, franchement, t'as grave d'être son cadeau parce qu'elle le voulait grave. Oh my god. Oh, j'aime trop. Et je voulais trop. Ça y est, il est plus là. Merci. Ah, je suis trop contente. Franchement, t'as fait mes cadeaux. T'as trop d'aide, je suis choquée. Mais par contre, je sais pas, tu voulais grave quelle couleur. Ah non, bleu, c'est très bien, c'est ma couleur préférée. Oh, j'aime trop. Franchement, ouais, t'as d'aide, Julia. T'as trop d'aide. Tic, mais je suis choquée de la cadeau, par contre. Bien, bravo. Alors qu'elle voulait même pas t'acheter de cadeau. Ouais, elle a dit, ouais, moi j'achète pas. Elle a dit, moi j'achète rien. Elle a dit, moi je viens faire ta vidéo, je te donne tes cadeaux. Elle m'a dit, moi je te donne que pour toi, Nina. Elle voulait se faire rembourser ses cadeaux. Tiens, je pour toi. C'est à moi? Ouais. Ouvre, il y a une petite lettre, enfin, il y a des devinettes, genre. Lis d'abord là, après tu lis ça. Lis d'abord ça. T'as vraiment cru, j'allais t'offrir une chose. Tu vaux une. Tu vaux une. Ouvre. Lis la lettre d'abord. Aïe, c'est ouais, je rigole, cherche bien. Ouais, déjà tu vaux une sucette. Attends. Ouais, elle voit une sucette. Non, mais regardez, elle a vraiment une devinette et tout. C'est quoi? Oh, jure! Eh ouais! Oh, t'as dégoûté, je t'ai tapé le mat! Oui. Trop bien, j'ai contrôle demain, je vais tricher, wesh! Elle est cassée, elle avait trop le seum parce qu'elle voulait la réparer mais elle pouvait pas. Du coup bah ça m'est venu. En fait au début je voulais pas lui offrir ça, lui offrir un autre truc, mais après j'ai dit en fait ma pelouette ça va lui faire plaisir. Du coup voilà. Ah trop bien, voilà j'en voulais une. C'est les dernières, c'est les SE. Jure, moi j'étais à la budget. En plus, elle arrêtait pas de me casser la tête en me disant s'il te plaît, Nina, est-ce que tu peux me réparer mon Apple Watch? Elle est cassée, tu me l'as réparée. Mais c'est une deuxième, c'est la deuxième. Du coup, vas-y, elle est morte. Trop bien. Trop bien, merci. C'est gentil. Bon, allez, à Noureen maintenant. Ah oui, à moi, putain, je suis gâtée aujourd'hui. J'ai pas l'habitude qu'on gâte, moi. C'est moi qui gâte, donc là, je suis en train de. Franchement, j'espère vraiment que tu vas kiffer. Ah ouais? Vraiment, parce qu'en fait, c'était à la dernière minute, j'ai dit vas-y, je prends ça. Wesh! Elles sont trop bien! Mais c'est une dinguerie! Mais alors, j'ai parlé avec Ilona tout à l'heure. Elle m'a dit j'ai envie d'aller au ski juste pour faire une photo avec les moon boots. Et je lui dis faut que je m'en rachète des nouvelles. Oh, trop cute! Mais wesh! En fait, j'ai pris les bas parce qu'elle a déjà des hautes. Trop cute! Merci! Mais elles sont trop bien, je suis choquée! Mais je vais arrêter avec Ilona ce matin. Je lui dis faut que je m'en rachète des nouvelles. En fait, on est connectés. Mais je suis choquée! Je lui ai dit j'ai cru entendre Ilona ce matin qu'elle voulait des trucs. Des mais je suis choquée, wesh! Mais celles sont incroyables, en plus le gris comme ça là. Ouais. Oh my god. Il y avait toutes les couleurs mais celle-là. Merci. Mais ouais, mais elle est trop forte. Ouais. Elle est trop forte, ma gueule. En fait, ça va bien sortir avec les couleurs de la neige et tout. Genre si elle va elle en montagne. Elle est trop, trop forte. Mais je suis trop choquée. Tu mérites un massage ce soir. Ah ouais. Wesh, oui, carrément. Oh wesh. Ok, on va commencer par. Rien. Louboutin. On a essayé, vite fait. Je pense que c'est un bracelet. Parce que Auréa, je lui avais offert un bracelet Louis Vuitton. Je le mets tout le temps. Pour son année. Elle avait choisi. Ouais, je me rappelle. C'était mon premier cadeau de luxe. Ouais. Et elle a tellement trop kiffé. Ça fait, je crois, 4 ou 5 ans qu'elle le met H24. Genre, elle le porte tout le temps. C'est une bague ou pas, c'est ça? Bah oui, c'est une bague de fiançailles. Ah, c'est des boucles d'oreilles. Ah, trop bien, ouais, château. Ah, elle qui chiale tout le temps. Eh, mes oreilles, je crois que je suis allergique aux boucles d'oreilles. Attends. Attends, wesh. Oh, elles sont fraîches. Waouh, trop bien, wesh. Regarde. Ah,
sont jolies de ouf. Ah, je vais flex demain et demain je vais être belle. Merci. Non, non. Regardez, attends. Ah ouais, vas-y, montre-le. Elles sont vraiment jolies. Taden, ma chérie. Oh là, c'est trop fraîche. Yeah. Mais il y en a de folie, hein. Elle a une collection de claquettes à fourrure comme ça. Mais genre, je les ai vues, j'ai dit, oh putain, Melissa, genre il faut des trucs roses, roses pétants comme ça. Franchement, j'aime trop, merci ma vie. C'est trop, trop bien. Dans les cadeaux. Bah écoutez, on a bientôt fini parce que moi j'ai un dernier petit cadeau. C'est quoi? Un dernier. Si comme d'hab, j'ai envie de te dire. Avec Ouria, on va partir du coup à New York le 5 janvier. Sans moi. Je l'ai invité. En fait, non, en vrai, Ouria, cette année, on va pas faire les Osini Awards cette année, mais franchement, s'il y a une personne qui devrait gagner les Osini Awards cette année, c'est Ouria. C'est vrai. Genre, vraiment large. Ouais. Franchement, elle a dead son année. Elle a glow up. Merci. Elle a trop glow up. En fait, elle a tout dead. De A à Z, elle a tout bien géré. Elle a eu son bac. Elle a trouvé son alternance. Elle a trouvé. Genre, vraiment, t'as tout dead. T'as dead tes notes. Elle travaille, même sur les réseaux. Franchement, t'as tout dead. Tu dead. Tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la prendre avec moi à New York. J'ai été invitée par Paramount et tout. Et je me suis dit, vas-y, Ouria, on va se faire un petit voyage ensemble en janvier. Et en fait, elle m'a demandé un truc qui était un peu trop demandé à mon goût. Business class. À mon goût. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ah, jure. Du coup. En business. Tu vois, fois, wesh. Elle a dit quoi, un petit voyage en luxe un peu, on va flex un peu. Aïe aïe aïe. Moi je vais rentrer les photos. On va en faire flex en business Air France. Je vais bien rentrer. On va bien rentrer. On va dormir, on va flexer. Faire des snaps. Attends, on va aller le retour ou que. Oui, non, on a les retours. Yeah, yeah. Après, Meïssa. T'inquiète, je ferai des photos, je vais tout envoyer. T'inquiète. Désolée, Meïssa, j'ai rien pour toi, voilà. Bah, c'est bizarre. Non, je rigole. Je rigole. En vrai, là, j'ai rien. Mais en fait, il faut sachez que elle a passé une semaine très dure. Ouais. Elle est dure. Non, pas une semaine. Moi, j'irai plus un mois. Et Lina et Damia, s'il vous plaît, vous êtes appelés. Ouais, genre vraiment. Elles aussi, elles ont. Personne n'est lui personne. Ouais, depuis un mois. Mais ça en fait elle nous crache les couilles à tout le monde. Ça fait un mois que personne lui parle. Ça fait un mois que genre. Mais moi je suis pas au courant. Je casse les couilles à tout le monde, mais je casse les couilles à qui là? Damia. Bah on parlait un peu tous pas genre. Bah si vous me parlez, vous êtes bizarre. Non, ça fait une semaine que personne ne parle. Bah là c'est parce que je me suis embrouillée avec Damia frère voilà et Julia pareil. Toi je savais pas que tu te parlais pas. Bah, comme d'hab, j'ai envie de te dire. Je te parlais pas pour la face que tu m'as faite à 4h du matin. Oui, mais après, tu m'as reparlé comme si de rien n'était. Je comprends pas, t'es bizarre. Quoi? Comment ça, je casse les couilles à tout le monde? Bah, un peu. Bah, après, moi, pour ma part, oui. Après, c'est bon, va t'asseoir, toi. Ouais, c'est bon, repars dans la chambre. Merci pour l'intervention. Comme la dernière. Là, c'est toi qui vas venir. Non, en vrai, du coup, pendant cette semaine, ces petits derniers 10 jours, en fait, il y a eu un petit voyage qui s'est organisé sans elle. Du coup, tout le monde va au Man sauf elle parce que personne n'a voulu l'inviter. Et du coup, moi, en fait, ça m'a fait trop de la peine parce que, en fait, personne ne hagale ma fille, en fait. Et du coup, oui. Et là, c'est moi qui paye ton billet d'avion et tu vas partir avec eux à Oman. Ouais. Et... Avec nous ou pas? Non, je viens pas, j'ai pas d'argent pour payer mon médaille.
Mais personne va rigoler ma vie. Oh non, t'es trop chou ma vie. Et du coup, c'est moi qui t'achète ton billet, c'est mon petit cadeau de fin d'année. C'est trop chou, t'es trop Et Inch'Allah, tu vas changer du coup. Et clairement, ton comportement là. Ouais, ton comportement des 10 derniers jours là, insupportable. Mais du coup, voilà, c'était notre petit swap de Noël. Franchement, c'était très très mignon. Mes cadeaux préférés, je dirais que c'est vos cadeaux en mode sentimental. Celui de Hoya, incroyable. Non, moi, je veux dire, franchement, elle a trop d'aide. Ouais, t'as vraiment trop d'aide. Et la lettre de Maïssa, on dirait que. En fait, on dirait que je suis en 2013. Ouais, c'est trop mignon. On a remonté le temps. J'ai envie de pleurer là, non, c'est bon. Moi, mon cadeau préféré, c'est le sentimental. Enfin, bon, c'est pas très sentimental, mais c'est cute. En fait, c'est trop cute. De base, je voulais t'offrir un autre truc. En fait, de base, je voulais t'offrir les bracelets d'amitié, tu vois, de Dior. Ah, et oui, je voulais grave t'acheter des bracelets d'amitié parce que je me suis dit en mode parce que cette année elle a trop d'aide etc, en mode faut que je lui montre que je suis fière d'elle et tout. Après quand j'ai vu la casquette je me suis dit mais en fait elle m'en veut ouais, grave pour la casquette. Elle l'a là. Je dis en fait elle va redevenir aigrie comme avant à cause de moi, elle va dire ouais vous avez vu non, j'ai prêté la casquette en blanc vert et je prête plus rien. Non, c'est juste quand je regardais les photos je me disais waouh j'ai trop la copine. Et le cadeau préféré mais ça c'est ça hein. C'est pas la ça. Ah, c'est trop cute ouais. Non c'est trop chaud moi le bah moi c'est le tien. Bah après fallait rajouter aussi hein. Là on en a pour deux jours. Non moi c'est ça et j'ai trop kiffé les Hugues de Noël. Elles sont trop chou genre. Ah ouais. Elles sont de ouf genre. Ouais en fait quand je les ai vues je te jure. En fait je suis allée chez Hugues pour m'acheter des Hugues à moi de base. Je voulais m'acheter grave des Hugues genre noirs. Et je les ai vus, je me suis dit, mais c'est Maïssa en chaussures. De ouf, franchement. Généralement, c'est Maïssa en chaussures. Genre, très chippie, ouais. Très girly. Genre, c'est elle, genre, ça sera elle au mois de juin au concert de Nicki. De ouf, je vais les porter. Je vous jure. Avec les petits sacs roses, je vais être touchée ouais. Moi, je regrette pas d'avoir fait cette vidéo. Je repars avec un voyage en business class. Et franchement, moi aussi, moi, je repars avec l'amour, avec des claquettes. Oh, c'est trop avec. Et ouais, on va aller. Allez, la paix, allez, un câlin de la paix. Wesh! Non, je serre la main, ici, on est les hommes. Ouais. Et câlin de la paix pour moi? Oui, câlin. Wesh, mais moi aussi, bon, de clochard, là. Pourquoi tu t'es incrusté? Grave, j'ai pas compris, voilà. Bah, c'est ça qui est. Ouais, les gars, gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et suivez-nous, bah, du coup, sur tous nos réseaux sociaux. Love you! C'est la meuf, ne soyez pas en dépression! Elle veut pas la. Elle soit pas en dépression. Soyez pas votre vie. Fuck les mecs. Allez, voilà. Bref, bisous guys. Gros bisous, joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Bonne année, joyeux nouvel an et see you en 2024. Love you.